Hello guys, j'ai dit l'affaire là, je sais pas où commencer. Je sais pas où commencer. Vous voyez ce nombre de personnes là, ils partent pour brûler la maison de Naira Marley. Le chanteur qui a chanté Sopi là, Sopi. Les gens partent. Attends, je veux pas mettre sa chanson ici, sinon ça va gâter ma vidéo. Mais lui qui a chanté Sopi, Naira Marley. Attendez, je vais mettre un petit quelque chose. Parce que vous, je suis sûr que je vais pas compter sur vous pour le connaître. Je vais mettre un petit quelque chose. N'écoutez pas. Voilà, j'ai laissé trop couler. Même si ma vidéo se gâte là, demain j'ai fait un live pour vous insulter. J'espère que ma vidéo va pas se gâter. Donc voilà, c'est sa chanson qui est là, sa chanson sale de masturbation là. Cette chanson Sopi là, il parle de masturbation. Donc j'ai jamais aimé sa chanson. J'ai aimé le beat, mais la chanson j'ai jamais aimé parce que j'avais horreur de voir les enfants danser dessus. Parce que c'est vulgaire, c'est pas bien, ça encourageait la masturbation. Sopi là, c'est le savon pour frapper à Oko. Donc voilà, c'est ça. Ce jeune là, il y a des choses sur lui. Mais on va parler de ça dans une autre vidéo. Les gens partent, les gens sont en train de marcher parce qu'ils sont fâchés, ils partent pour brûler sa maison. L'affaire là est chaud. L'affaire a commencé depuis avant-hier et puis il dit, j'ai pris mon temps pour regarder là. L'affaire est chaude et bouillante. Il dit, si vous savez mais ce qui se passe actuellement là, mais je vais venir avec une autre vidéo, mais ce qui se passe actuellement là, je vais pas vous dire ce qui se passe. Mais je vous dis seulement ce qui se passe que dans cette vidéo que je vous montre là, ils ont brûlé la maison de Naira Marley. Bon, c'est déjà trop tard, je vais pas vous cacher. Ils ont arrêté Naira Marley. L'affaire est compliquée. Et je vais vous dire pourquoi ils l'ont arrêté. Dans ma prochaine vidéo, je vais vous dire pourquoi ils l'ont arrêté. L'histoire est compliquée. Ils l'ont arrêté au Kenya. Est-ce que vous pouvez croire qu'ils l'ont arrêté au Kenya? Franchement, la police nigérienne, chapeau à eux. La police kenyenne aussi, chapeau à eux. Si la police ivoirienne pouvait être comme ça, vraiment, ça allait être bon. Ça allait être très bon. Il y a des doutes sur quelqu'un, on arrête la personne, on questionne la personne, on pose des questions, on investigate, on fait les investigations. Ça allait être très bon si la police ivoirienne était comme ça. Mais hélas, il y a des gens qui font des accusations sur des gens, des accusations graves qui sont en liberté en Côte d'Ivoire là-bas. Il y a des gens qui mentent et qui diffament sur des gens qui sont en Côte d'Ivoire, à Abidjan là-bas, liberté. Franchement, la police a besoin de travailler sur beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Parce qu'il y a des gens qui sont des meurtriers qui sont dehors. Il y a des gens qui font des crimes qui sont dehors. Ce n'est pas à faire. C'est de ça qu'il s'agit. Mais je vous reviens, c'est des faux stars. Ouais.